Aujourd'hui, je vais vous présenter la couleur 31 Blue Velvet, ici en mat et en brillant, et je vais vous la présenter en multiples déclinaisons. Voilà, donc 31 Blue Velvet, travaillé avec le pigment Aurora, AGP 330. Travailler avec le pigment AGP 301 holographique. Travailler avec l'AGP 314, aussi un Aurora à reflet. Travailler avec l'AGP 310, un pigment Caméléon, multiple reflet. Travaillez également avec un Aurora, l'AGP 330-17, qui est aussi un Aurora à reflet. Travaillez ici avec l'AGP 284-29, qui est un pigment à paillettes. Un pigment chrome légèrement pailleté. Travaillez ici avec l'AGP 204-4. Ici avec l'AGP 204-3. On l'a travaillé ici avec l'AGP 204-2. Ce sont des chromes caméléons. De nouveau, on a un reflet dans le chrome. Avec l'AGF 302, donc ici on a travaillé avec un chrome flake. C'est également un pigment. Avec les GF 308, donc de nouveau un chrome flake. Ici, avec la GP 300, la GF pardon, 317 qui est également un chrome flake. La GP 322, un Aurora également. L'AGP 281, également un, chrome, un pigment caméléon, chrome caméléon. L'AGP 204-19, toujours un chrome caméléon. Ici, en effet sirène, avec un AGP 207-1. Ce sont donc ça, ici, ce sont des glitters ultra fins qu'on va utiliser sur le collant du gel. Il y a déjà eu des tutos que je vous ai présentés sur YouTube pour cette technique. Ici également, utilisé en sirène, un AGP 208-3. C'est un beau bleu, un peu électrique. Le même glitter AGP 208-3, donc ce sont des micro-glitters ultra fins, ici en effet sucre. Ici avec un glitter AGP 129-9, ce sont également des glitters toujours très très fins, très irisés, qui sont magnifiques à utiliser en effet sucre. Un AGF 208, c'est ici un glitter qui s'utilise en sirène.
un AGP 185, c'est également un glitter qui s'utilise en effet sirène. Ici en AGP 313 avec par-dessus un stamping. Donc on est sur un chrome classique sur lequel on a appliqué un stamping. Avec nos fameux pigments Cat Eyes, le 187-15. Le 187-10, toujours un pigment Cat Eyes. Vous trouverez également les vidéos sur comment les utiliser sur notre chaîne YouTube. Et le petit tutoriel du jour, le tout nouveau pigment qui est un mélange entre un pigment holographique et un chrome flake, la GF310-12. C'est un bleuté, un holographique bleuté qu'on a appliqué. Ça a énormément de reflets, c'est tout nouveau. Le tutoriel sur comment l'utiliser va suivre. Voilà, je vous ai présenté la couleur 31 Blue Velvet.